Un match à suivre, l'Italie a un avantage certain. Oui, mais il y a toujours une possibilité de déjouer les pronostics. Le 15 du Poirot, nation majeure de l'hémisphère nord, est l'une des nations ayant le plus beau palmarès dans le tournoi des 6 nations, avec pas moins de 12 grands chelems. Et les avants forment un roc. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. L'arbitre fait signe que le jeu peut commencer. Et un ballon récupéré dans ce ruck par l'équipe du Pays de Galles. Il ne peut plus être rattrapé maintenant. Ils ont mis toute l'intensité nécessaire et sont récompensés par ce magnifique essai. Bravo! Ils n'ont pas hésité une seule seconde et ont saisi l'opportunité de marquer un très bel essai. Ça ne passera pas. Bien capté, Navidi. Au contest pour ce ballon. Ils ont soigné la conservation du ballon. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Les joueurs du Pays de Galles vont garder ce ballon. Très bon offload. Il accélère le long de la touche. Un ruck qui s'est formé. Les joueurs du Pays de Galles sont toujours en possession du ballon. Belle gestuelle sur ce offload. Les joueurs forment une mêlée spontanée. Le numéro 9 va pouvoir faire rebondir le jeu. C'est un ruck. Ah, il rentre à l'épaule dans ce ruck. Sur l'extérieur pour North. Ballon toujours pour le Pays de Galles. Une mêlée spontanée se forme. Ils ont conservé ce ballon. L'arbitre laisse jouer l'avantage. L'avantage est terminé. Ruck pour le Pays de Galles. Il n'y a plus beaucoup de soutien. North, la course est à l'extérieur. Magnifique plaquage. Les transmissions sont bonnes. Jones passe au contact pour Navidi. Un beau décalage sur le côté. Les joueurs forment un ruck. Ça reste un ballon pour le Pays de Galles. Il crée un point de fixation. Offload. Un plaquage qui ne donne rien. Ils ont encore le contrôle du ballon. Ils font bien circuler le ballon. Les intervalles qui s'ouvrent sur les extérieurs. Conservation du ballon du Pays de Galles. Adams qui rafute. Point de fixation pour l'attaque. Ballon toujours entre les mains de l'équipe du Pays de Galles. Ballon toujours en possession. Il faut venir au soutien. Il conserve le ballon sur ce ruck. Il fonce droit vers la terre promise. Mais quelle action de jeu splendide et quel talent! Je suis complètement d'accord avec vous, Eric. C'est une phase de jeu rondement menée avec une très belle conclusion. Le ballon est parti un petit peu trop sur la droite. La récupération de Navidi. Navidi passe son ballon. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Il y a un coup à jouer sur les extérieurs. Les défenseurs s'appliquent à bien défendre. Il prend le jeu au pied à son compte. Contest aérien gagné par Bigard. Un ruck annoncé par l'arbitre. Ballon extrait par Davis. Le décalage est fait sur les extérieurs. Ils vont contester ce ballon. L'équipe du Pays de Galles conserve ce ballon. Attaque stoppée, formation d'un ruck. L'attaque conserve le ballon. C'est un ruck pour le Pays de Galles. Belle dextérité sur cette passe. Ça va être un contest. Conservation du ballon du Pays de Galles. Il fait circuler le ballon. Ça circule bien. Pas facile ce raffut. Quelle défense de Benvenuti. Le ballon est conservé par le Pays de On Galles. On est sur l'avantage. Ils ont toujours un avantage. Et les avants forment un ruck. Les joueurs du Pays de Galles vont garder ce ballon. Et on atteint la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps. L'avantage est terminé. Ball, la passe. J'ai l'impression que ça s'ouvre à l'aile. C'est un ruck. Les joueurs du Pays de Galles sont toujours en possession du ballon.
Attaque stoppée, formation d'un ruck. Davis qui va pouvoir lancer le jeu. Belle vitesse d'exécution sur cette passe. Paul qui joue avec North. La défense rate ses plaquages. Et ils inscrivent un superbe essai. Bien sûr qu'ils marquent sur cette action. Fabuleux. En effet, Eric, ils ont mis tous les ingrédients pour réussir. Une belle action qui se termine par un bel essai. Oh non, ça va être trop court. L'arbitre siffle la mi-temps. Et le match peut reprendre. Encore 40 minutes pour savoir qui de le pays de Galles ou l'Italie va remporter cette rencontre. Il garde la possession du ballon. Les joueurs forment une mêlée spontanée. Le ballon est transmis. Il manque de concentration sur ce plaquage. Ils parviennent à conserver le ballon. Oh, il rate son plaquage. Magnifique plaquage de Benvenuti. La passe après contact. Plaquage peut-être un petit peu haut là. Regardez, la faute est évidente sur le ralenti. C'est un geste idiot. Benvenuti prend donc un carton jaune. Le pays de Galles. Excellent lancer du talonneur. Davis avec Bigard. Les joueurs forment un roc. L'équipe du pays de Galles a encore le contrôle du ballon. Attention, danger là sur l'extérieur avec l'échappée de Adams. Oh, quel plaquage! Ballon toujours entre les mains de l'équipe du pays de Galles. Magnifique passe après contact. Quelle passe! Nouveau point de fixation. L'équipe du pays de Galles parvient à conserver ce ballon. Ah, mauvaise passe! Mêlée spontanée. Belle séquence défensive. Et c'est un ruck. Ballon toujours pour le pays de Galles. Foyer au large. On assiste à la formation d'un ruck. Ils ont encore le contrôle du ballon. C'est un ruck pour le pays de Galles. Il crée un point de fixation. L'attaque conserve le ballon. Au contest pour ce ballon. Il garde la possession du ballon. Il y a un coup à faire sur les ailes. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Il conserve le ballon. Il fait une passe. Ils vont contester ce ballon. Ballon toujours entre les mains de l'équipe du pays de Galles. Parks transmet à Adams. Ça va être un contest. Ils ont encore le contrôle du ballon. Réception propre du ballon. Benvenuti qui donne à Caglio. Et le ballon a été perdu par l'Italie. Quelle défense de Stein. Ballon toujours pour le pays de Galles. Belle offload sur cet enchaînement. Le pays de Galles à l'origine de ce ruck. Le ballon circule bien. North, le raffut, Mbanda qui vient mettre les mains dans le ruck. L'arbitre laisse l'avantage. Voyons s'ils parviennent à faire quelque chose de ce ballon. Le ballon est conservé par le pays de Galles. Bigard parvient à faire sa passe à Ball. Et ce malgré le plaquage de Bigard. C'est magnifique ce qu'ils ont fait sur cet essai. Et voilà la délivrance. Enfin, l'essai tant attendu. Oui, on va revoir ça en vidéo. C'est mal frappé, manque de puissance sur ce coup de pied. Changement demandé par l'entraîneur du pays de Galles. Tiporic sort et il sera remplacé par Schindler. Il récupère bien ce ballon. Il n'y a plus beaucoup de soutien. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. La balle circule bien. C'est un ruck pour le pays de Galles.
Une bonne circulation du ballon. Bigard qui passe son ballon alors qu'il est plaqué. Il y a une opportunité sur l'extérieur avec Adams. Nouveau point de fixation. Ballon toujours en possession. Ça fait bien circuler la balle. Jones qui parvient à libérer malgré le plaquage. Les joueurs du Pays de Galles vont garder ce ballon. Il a de l'espace sur le côté pour North. Et on arrive dans les arrêts de jeu de ce match. Et les avants forment un rock. Ils parviennent à conserver le ballon. Ils vont contester ce ballon. L'équipe du Pays de Galles conserve ce ballon. Il s'applique à bien faire circuler le ballon. Ça va être un contest. Les joueurs du Pays de Galles sont toujours en possession du ballon. Il y a de l'espace sur l'extérieur. Bien défendu de la part de Bellini. Il conserve le ballon sur ce ruck. Au contest pour ce ballon. L'équipe du Pays de Galles a encore le contrôle du ballon. Ouais, c'est bien joué ça sur le côté. Ruck pour le Pays de Galles. Un ballon rasant qui fait cavaler la défense. Et voilà un ballon qui sort des limites du terrain. C'est un match vraiment très sympa à commenter, à regarder, n'est-ce pas Thomas? Carrément, Eric, les joueurs créent du spectacle. Ce soir, nous nous apprêtons à assister à un match très attendu par le public. Bienvenue à toutes et à tous pour ce test match. À la lutte, on retrouve les formations d'Irlande et d'Écosse. Un test match qui s'inscrit dans une longue liste de rencontres entre équipes nationales. C'est en effet vers 1860 que la notion de test match est apparue pour désigner les matchs qui opposaient les équipes de cricket d'Angleterre et d'Australie. Alors Thomas, quel serait votre pronostic d'avant-match? Nous avons sur le terrain deux équipes de bon niveau, même si les statistiques de l'Irlande font plutôt pencher la balance en leur faveur. Ce qui fera vraiment la différence ce soir, c'est la cohésion entre les joueurs et leur solidarité sur le terrain. Il va falloir être actif sur les ballons, mettre de l'engagement dans les... Encore quelques instants avant que le match ne commence. C'est parti, coup d'envoi de ce match. Une mêlée spontanée se forme. Les joueurs de l'Irlande parviennent à récupérer ce ballon. Il passe la balle. Il va aller au bout. Il crée un point de fixation. Ils ont conservé ce ballon. Belle précision et bonne exécution sur ce offload. Il ne se laisse pas avoir par le plaquage. L'attaque conserve le ballon. Mauvaise transmission de balle. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Ils ont bien bataillé et récupèrent le ballon. Des espaces secrets sur les extérieurs. Et c'est un essai. Mais quel travail et quelle qualité d'exécution sur cet essai. Complètement d'accord Eric, ils ont clairement su élever leur niveau de jeu sur cette action. Il ne tremble pas sous le ballon.
et formation d'un ruck. Ballon toujours entre les mains de l'équipe d'Irlande. Stender qui s'échappe sur le côté. Stender qui s'en sort. Et c'est un ruck. Et c'est un turnover. Passe manquée. On assiste à la formation d'un ruck. Ils ont encore le contrôle du ballon. Mêlée spontanée. Le soutien est là avec la percussion de Furlong. Ballon capté. Bonne prise de balle de Gilchrist. Ils ont formé en maul. Watson, il s'agrège à ce maul. L'arbitre signale un premier arrêt. Quelle maîtrise de Hobb. Magnifique action, Thomas. Quelle envie, quelle détermination. Et oui, Eric, ils n'ont rien lâché et se voient très bien récompensés avec cet essai. Ballon frappé, mais qui part trop à gauche. Ballon bien capté. L'Écosse à l'origine de ce ruck. Et on va donc assister à une touche. On va revenir à cette touche à 7. Hier, la prise de balle. La passe au contact pour Wilson. Point de fixation pour l'attaque. Ballon bien gratté par la défense. Il transmet son ballon. Et magnifique percée. Ballon toujours pour l'Irlande. Aki transmet à son coéquipier. Un ruck qui s'est formé. Conservation du ballon d'Irlande. Ça circule bien. Attaque stoppée, formation d'un ruck. Il y va. Conway. C'est fait sécher sur ce plaquage haut. Espérons qu'il ne soit pas blessé. Quelle faute grossière sur ce plaquage. Il doit vraiment mieux contrôler son énergie. Conway a l'air d'avoir mal là. Je crois bien qu'il est... C'est normal, il est pris par l'arbitre, il va être obligé de laisser ses partenaires pendant 10 minutes. De l'Irlande. Le ballon est sorti hors des limites du terrain en ballon mort. Stender à la réception. Et formation d'un ruck. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. Il passe la balle. Attention, ça va être un ruck. Le ballon est conservé par l'Irlande. Belle passe après contact, mais risquée. L'équipe d'Irlande conserve ce ballon. Il passe le ballon. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Et il parvient à libérer malgré le contact. O'Mahony, bien pris. Il transmet son ballon. La passe. Le raffut de Stockdale. Ça va être un contest. Les joueurs d'Irlande vont garder ce ballon. Libération après contact pour Stander. Il conserve le ballon. Attention, danger là sur l'extérieur avec l'échappée de Farrell. Il faut venir au soutien. L'équipe d'Irlande a encore le contrôle du ballon. Ruck pour l'Irlande. Il conserve le ballon sur ce ruck. On entre maintenant dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Quelle faute. Ah oui, le plaquage était vraiment limite. Et il va aller se calmer 10 minutes sur le côté du terrain. À 5. Et il y a encore 3 points à aller chercher sur cette pénalité. Ça y est,
les deux équipes vont enfin pouvoir rejoindre le vestiaire. Parvient à revenir dans la partie. Et ça finit dans ses bras. Sexton passe son ballon. Belle défense collective qui stoppe l'avancée. Il n'y a plus beaucoup de soutien. Carton, c'est un carton jaune pour Dell. Il est dessous, impeccable. Il capte bien ce ballon. Un ruck qui s'est formé. Ballon toujours en possession. Conan transmet à son coéquipier. Attaque stoppée, formation d'un ruck. Stockdale, il y a un décalage. L'arbitre laisse jouer. Ce sera donc une touche pour l'équipe d'Écosse. Nous a montré davantage de présence, on va dire, dans les rencontres précédentes que celui de l'Écosse. Les performances en mêlée d'un match à l'autre ne sont jamais linéaires, donc attention aux surprises. Jeu. Vous avez raison, on en saura sans doute un petit peu plus sur l'engagement des deux packs au terme de cette mêlée. Regardez le travail dans l'axe du paquet d'avant. Le numéro 8 prend ce ballon. Plaquage trop mou pour arrêter Furlong. Ballon toujours pour l'Irlande. Bonne circulation de balle. Van der Flyer avec un ballon porté qui va se former autour de lui. C'est pris par le numéro 9. Libère son ballon après le contact. Passe au contest pour ce ballon. Ils parviennent à conserver le ballon. Et passe après contact. Un ruck annoncé par l'arbitre. Il conserve le ballon. Ils veulent faire vivre le ballon avec cet offload. Et les avants forment un ruck. L'attaque conserve le ballon. Il n'a pas assez appuyé son plaquage. Il conserve le ballon sur ce ruck. Les intervalles qui s'ouvrent sur les extérieurs. On assiste à la formation d'un ruck. Ballon toujours entre les mains de l'équipe d'Irlande. Ah, la passe ratée. Jouer sur l'aile, ça pourrait être payant. Point de fixation pour l'attaque. Les joueurs d'Irlande vont garder ce ballon. Passe la balle pendant le plaquage. C'est un ruck. Ils ont soigné la conservation du ballon. Le jeu de passe. C'est un ruck pour l'Irlande. Plaqué par la défense. Une mêlée spontanée se forme. Ils ont encore le contrôle du ballon. Et c'est un ruck. Les joueurs d'Irlande sont toujours en possession du ballon. Farrell, la course vers l'extérieur. Le geste est dangereux là, ça mérite un carton. Carton jaune contre de l'Irlande. Quant à celui qui va le remplacer, ce n'est nul autre que Bern. C'est décidé, ce sera une touche à 3. Ils vont pouvoir travailler sur cette touche bien conservée. Ça fait bien circuler la balle. Ah, c'est un plaquage haut, ça, ça vaut un carton jaune. Il n'est probablement pas content d'avoir pris ce carton jaune, mais c'est mérité, 10 minutes sur le banc. Les joueurs forment une mêlée spontanée. Ils font bien circuler le ballon. Et c'est un ruck. Ballon toujours en possession. Quelle percée! Il l'a fait, et c'est de Conan. C'est vraiment le genre d'action que le public aime voir, et nous aussi. Ben oui, Eric, et puis c'est tellement bien exécuté que c'est imparable. Ça passe! 2 points de plus pour son équipe.
Ballon capté par Sexton. Un ruck qui s'est formé. L'équipe d'Irlande parvient à conserver ce ballon. Il passe le ballon. J'ai l'impression que ça s'ouvre à l'aile. Et le plaquage de Seymour. Et il ne parvient pas à arrêter le porteur du ballon. Stockdale le raffut. Plaquage manqué. Plus que quelques minutes avant la fin de la rencontre. Les joueurs forment un ruck. Ça reste un ballon pour l'Irlande. À qui la passe? Faudrait aller sur les ailes. Et les avants forment un ruck. Conservation du ballon d'Irlande. Il y a un coup à faire sur les ailes. Il faut venir au soutien. Il garde la possession du ballon. C'est un ruck pour l'Irlande. Le ballon est conservé par l'Irlande. Ça va être un contest. Les joueurs d'Irlande sont toujours en possession du ballon. Belle passe. Faut aller au large. Pringles rattrapé par Murray qui va pouvoir lancer le jeu. Passe après contact pour Sexton. Les joueurs forment une mêlée spontanée. Il y est presque. Trop d'erreurs défensives. Conservation du ballon d'Irlande. Belle vitesse d'exécution sur cette passe. Très bon offload. Il y a une opportunité sur l'extérieur avec Pringles. Et oui, l'essai il y est. L'essai de Pringles. Et le moteur qui se met en place pour tenter de marquer deux points supplémentaires. Et c'est passé entre les perches. Et c'est terminé. Coup de sifflet final. Et c'est une victoire de l'Irlande. Plus que quelques secondes avant le coup de sifflet. Un ballon qui ne devrait pas avoir de mal à atteindre les 22. Une mêlée spontanée se forme. Nouveau point de fixation. Ils ont conservé ce ballon. Vakatawa, servi à l'extérieur. Mêlée spontanée. Les joueurs... Le ballon circule bien. C'est un ruck.
Ils ont encore le contrôle du ballon. Au conteste pour ce ballon. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. Magnifique passe après contact. May. Il y a un coup à jouer sur les extérieurs. Il n'y a plus beaucoup de soutien. Il conserve le ballon sur ce ruck. Ça joue. Première mêlée du match. La mêlée va avoir lieu dans les 40. Flexion. Yeah. Je... Ballon récupéré par le pack sur cette mêlée. Récupération propre du ballon par les avants. Dupont qui joue avec Ficou. Il crée un point de fixation. L'équipe de France a encore le contrôle du ballon. Attention, ça va être un ruck. Ils ont soigné la conservation du ballon. Wilson rate son plaquage. Ballon bien capté. Un ruck annoncé par l'arbitre. L'équipe de France parvient à conserver ce ballon. Le ballon est transmis. Libération après contact pour Loré. La défense ne couvre pas bien les extérieurs. Attaque stoppée, formation d'un ruck. Ils ont un avantage sur cette action. Il ne s'est pas appliqué sur ce plaquage. Les transmissions sont bonnes. Ça, c'est avantage. Bien joué. Avantage annoncé par l'arbitre. Sa on bataille dans le ruck. Youngs qui commet un en avant. Quelle erreur. Les deux packs se mettent en position pour une mêlée. Flexion. Lié. Jeu. Quel effort des avants pour venir récupérer ce ballon sur la mêlée. Ballon récupéré par le pack de la France. Ballon récupéré par le numéro 8. Transmission de la balle. Penaud qui s'échappe sur le côté. Il est mis au sol, il va falloir libérer. L'arbitre décide de laisser l'avantage pour la France. Ruck pour. L'attaque conserve le ballon. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Avantage terminé. Il va marquer. C'est énorme ce qu'il a fait sur cette action. Il fallait le tenter, ils l'ont tenté, ça marche parfaitement. Quelle action! Beaucoup de concentration sur cette préparation de coup de pied. Ah, c'est trop à gauche. Dupont qui capte ce ballon aérien. Il s'applique à bien faire circuler le ballon. La France à l'origine de ce ruck. Il y a avantage en cours pour la France. Le ballon est conservé par la France. Et c'est un ruck. Il garde la possession du ballon. Avantage terminé. Dupont transmet à Loré. Il devrait tenter un coup sur les ailes. On assiste à la formation d'un ruck. Ça reste un ballon pour la France. Point de fixation pour l'attaque. Ils ont encore le contrôle du ballon. Mêlée spontanée. L'équipe de France parvient à conserver ce ballon. Ils vont contester ce ballon. Conservation du ballon de France. Il faut venir au soutien. Les joueurs de France vont garder ce ballon. Il transmet son ballon. Plus que quelques minutes avant la fin de la première mi-temps. Slade qui est parti l'attraper à la gorge là, c'est carton ça monsieur. Il n'y a pas photo, la faute existe bel et bien. C'est grossier comme faute. Slade va devoir laisser son équipe se débrouiller sans lui pendant les 10 prochaines minutes. C'est du jeu dangereux, c'est normal.
C'est un ballon impeccablement capté par Farrell. C'est récupéré. Passe mal ajustée. Bien capté. Curry. Un ruck qui s'est formé. Ça va se consommer au point de rencontre. Belle passe. Oh, le raffut. C'est un ruck. Ils ont soigné la conservation du ballon. Attention, ça va être un ruck. Il conserve le ballon. Il accélère le long de la touche. Le défenseur s'applique à bien défendre. L'équipe de France conserve ce ballon. Ruck pour France. Ballon toujours entre avantage les mains de l'équipe de France. Nouveau point de fixation. Quelle détermination dans ce raffut. Penou plaqué. Il garde la possession du ballon. Les joueurs forment une mêlée spontanée. Vonipola qui vient dans ce ruck pour batailler. Une bonne circulation du ballon. Attaque stoppée, formation d'un ruck. Il y a de l'espace sur l'extérieur. Et oui, rien ne peut l'arrêter maintenant. La France à l'origine de ce ruck. C'est pris par le numéro 9. Passe mal effectuée. Et les avants forment un ruck. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. Lowe fait circuler le ballon. Nous voilà donc au terme de cette première période. Et c'est reparti pour la seconde moitié de ce match. Ça va être un contest. C'est joué par Dupont. Et formation d'un ruck. Les joueurs de France sont toujours en possession du ballon. Belle dextérité sur cette passe. Mauvais plaquage. Ballon toujours en possession. Ituria qui joue avec Picamol. Ils ont conservé ce ballon. Il devrait tenter un coup sur les ailes. Il y avait un trou dans la défense, il l'a pris. Quel essai! Superbe action qui se conclut de la plus belle des manières. Cet essai ne souffre d'aucune contestation possible. Non, ce sera trop à droite. Il est dessous, impeccable. Ça fait bien circuler la balle. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Il conserve le ballon sur ce ruck. Il y a eu faute, mais on va jouer l'avantage. Fin de l'avantage. Au contest pour ce ballon. L'attaque conserve le ballon. Un ruck annoncé par l'arbitre. Jouer sur l'aile, ça pourrait être payant. Un ruck qui s'est formé. Conservation du ballon de France. Offload. Les joueurs forment une mêlée spontanée. Penaud, il y a un décalage. Pied plaqué. L'attaque conserve le ballon. Une mauvaise passe qui n'atteint pas son destinataire. Une mêlée spontanée se forme. Superbe contest pour récupérer ce ballon. Dégagement depuis les 22 mètres. Et le ballon va sortir en touche. Et ce sera donc un alignement complet. Le ballon va être conservé par l'équipe de France. Il y a du soutien avec George. Il apporte du soutien. Ils se sont bien organisés pour stopper l'avancée. Et c'est un ruck. Ballon bien capté. Alignement complet décidé par le capitaine de touche. Après cette touche, le ballon est toujours entre les mains de la France. Il faut venir au soutien. Farrell face au poteau sur cette pénalité. Et ça passe entre les perches. Daly pour récupérer ce ballon.
n'y a plus beaucoup de soutien. Et un ballon bien récupéré par la France. Tentative de plaquage ratée. Le ballon est conservé par la France. Il y a une opportunité sur l'extérieur. Fakatawa pour venir mettre cet essai. Oui, il y a essai. On le sentait venir depuis un bon moment maintenant. Ils ont maîtrisé leur sujet et n'ont pas tremblé dans le dernier geste. Il y a un changement du côté de la France. En effet, Baye vient remplacer Slimani. Ballon bien capté. Il fait circuler le ballon. Allez, un de plus dans ce maul. Excellent groupé pénétrant qui pose beaucoup de problèmes à la défense. Olivon décide de jouer ce ballon au pied. Au contest pour ce ballon. Il conserve le ballon. Ils ont un avantage sur cette action. Mais les spontanés. Les deux packs se mettent en place pour une mêlée. Flexion. Jeu. Très bel effort des avants qui récupèrent le ballon. La passe. Un ruck annoncé par l'arbitre. Il y a un coup à jouer sur les extérieurs. Ça va être un contest. L'équipe de France parvient à conserver ce ballon. Et formation d'un ruck. Ils parviennent à conserver le ballon. Et les avants forment un ruck. Ils ont toujours le contrôle du ballon et vont pouvoir l'écarter. On atteint la fin du temps réglementaire de ce match. Attaque stoppée, formation de ruck. Bonne circulation de balle. Attention, ça va être un ruck. Ficou transmet à son coéquipier. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Ils ont soigné la conservation du ballon. Libère son ballon après le contact. Curry en bataille dans ce ruck. Ils ont encore le contrôle du ballon. Penaud qui tente de gagner du terrain avec ce ballon rasant. Et le match est fini. Victoire de la France.